vivas na a botana de viewa a cause do wuri ontie enu emi emi juro mi juro fa na mi wa o aminu ya wule ama ona wa tintintie mi juro fa huelo polopo e vilo polopo du o emi wa aminu ma botam lu gbona fi pelole. Vaccination is one of the most effective public health interventions in protecting and improving the health of populations. However, for quality vaccines to be available in health facilities, in the right quantity, at the right time, and above all, in the right conditions, the existence of an efficient logistics system is essential. In Benin, a review of the National Immunization Program reveals shortcomings in the vaccine and consumables supply chain, delaying the introduction of new vaccines and hindering the improvement of immunization coverage. Vaccines are stored in the national warehouse. Vaccines are transported by refrigerated trucks to the departmental warehouse, where they are kept in cold rooms or refrigerators. In Benin, in the conventional supply chain, the municipal level comes after the departmental level. Heads of municipal warehouses travel with insulated boxes to departmental level to procure vaccines and consumables. In municipal warehouses, vaccines are stored in refrigerators. In this system, each municipal warehouse uses a vehicle. EPI managers from each facility visit municipal warehouses by motorbike with vaccine carriers. Once there, they get vaccines and equipment needed for injections based on their needs. Nous nous sommes rendus compte à l'évaluation de la gestion efficace des vaccins que notre pays était confronté à plusieurs dysfonctionnements. Dysfonctionnements notamment par rapport à la gestion de la température, par rapport à la capacité de stockage et également par rapport à la maintenance des infrastructures. Quand on s'intéresse à la distribution, nous nous rendons compte qu'il y avait un problème de distribution des vaccins tout au long de la pyramide sanitaire. Health workers in charge of logistics functions do not have sufficient expertise in this specialized field and are taken away from their primary role, which is patient care. To overcome the numerous shortcomings that slow down the system and negatively impact immunization coverage, Benin's Ministry of Health asked partners to help improve the system and, in turn, immunization service performance. L'AMP a pu réaliser des évaluations qualitatives et quantitatives et utiliser un outil de modélisation, Hermes, développé par le Vaccine Modeling Institute, qui ont permis de mieux spécifier les difficultés du programme de vaccination et de son système logistique et qui ont permis aussi de définir un système optimal qui permettrait d'assurer une meilleure disponibilité des vaccins aux endroits où on en a besoin, c'est-à-dire jusqu'aux endroits les plus reculés du pays, et à moindre coût. At the end of the evaluation process, the Ministry of Health of Benin identified 4 strategic directions to enhance the performance of the vaccine supply chain. On avait dit qu'il fallait procéder à la centralisation de la gestion de l'approvisionnement en vaccins, qu'il fallait procéder à l'acquisition de chaînes de froid exclusivement adapté à l'énergie solaire, qu'il fallait procéder à la professionnalisation des acteurs qui assurent la gestion de la chaîne logistique et aussi penser à l'intégration au niveau des zones sanitaires de l'approvisionnement en produits de vaccination. In the new procurement and vaccine distribution system, several municipal warehouses are replaced by a single health zone warehouse with an equipped vehicle called a mobile warehouse. The health zone logistician goes to the department warehouse to procure vaccines and consumables. At health zone level, vaccines are kept in refrigerators and managed by a computerized system. Each month, the health zone logistician serves each health facility in his or her zone. He or she controls the quality of vaccines, keeps track of the temperature, maintains refrigerators, monitors vaccine and consumable stock levels, and resupplies them as needed. The Kome Health Zone was identified by the Ministry of Health to implement, on a pilot basis, activities aimed at the reorganization of the immunization supply chain. The goal was to apply
all the strategic directions in this area and to evaluate them before extending the system to the rest of the country. Ces orientations stratégiques là étaient précisément de faire du niveau zone sanitaire le dernier niveau de distribution et donc de supprimer le niveau commune pour que le système de distribution des vaccins soit identique à la pyramide sanitaire du pays. Et la zone sanitaire a bénéficié d'un don important de réfrigérateurs solaires et l'entrepôt du niveau zone sanitaire a été complètement aménagé. Tout au long de notre intervention, nous avons également donné des formations sur les bases de la gestion efficace des vaccins et sur la logistique de santé. Une autre des orientations stratégiques définies par le ministère était la professionnalisation du métier de logisticien. The logistician travels through the 38 health centers in the health zone about the mobile warehouse in order to deliver vaccines in real time while undertaking the maintenance of equipment of the new solar cold chain. This reorganization of the vaccine supply chain in Komi has a positive impact on the performance of the immunization system. C'est un bon système. Nous avons beaucoup apprécié ce système. Pourquoi? Parce que on ne se déplace plus vers les CS pour aller nous approvisionner en vaccins. Ce système nous permet d'avoir nos vaccins à temps et de faire vacciner nos enfants tous les jours. Donc, au total, les bénéfices sont énormes. Au moment où nos quatre communes se déplaçaient pour aller à l'Okosa, pour aller chercher les vaccins, on mobilise un véhicule, on mobilise le cabinet, on mobilise le chauffeur, on doit payer tout ça là. Ce n'est plus ça maintenant. Donc c'est un seul véhicule pour toute la zone sanitaire avec un chauffeur et puis le responsable de cela qui se déplace pour aller chercher les vaccins et qui fait la distribution de formation sanitaire par formation sanitaire. Et les formations sanitaires, au lieu que les agents se déplacent, restent là et vaquent à leurs occupations habituelles. Nous avons alors l'efficacité à moins de coûts. Vraiment, c'est une aubaine pour nous. La perspective au niveau national, c'est qu'après l'évaluation qui est faite au niveau de commun, c'est de tirer les bonnes pratiques et de les dupliquer au niveau national. Et nous voulons saluer ce partenariat que nous avons eu avec l'AMP qui nous a permis d'arriver à ce résultat.